Je cuis pendant 15 minutes mes cubes de potimarron dans une cocotte minute fermée avec la soupape jusqu'à ce qu'ils soient fondants. Et pendant la cuisson à la vapeur de ma courge, je cuis mes oignons émincés dans un peu d'huile d'olive. Une fois mes oignons colorés, j'assaisonne de sel, de poivre. Ensuite, un peu de sucre et du vinaigre balsamique pour déglacer. Je prolonge la cuisson de 5 minutes. Dans une autre casserole, je remplace les oignons par le lardon fumé et je les cuis jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Je déroule maintenant mon disque de pâte sur mon moule à tarte. Je couvre d'un papier sulfurisé, je verse les haricots et je cuis pendant 10 minutes à 200 degrés. Pendant la cuisson des lardons, je réduis en purée mon potimarron. Je réunis tous les ingrédients ensemble, c'est-à-dire les lardons, la courge et les oignons. Je mélange le tout et je rectifie l'assaisonnement. Dans un saladier, je fouette les œufs. J'y ajoute la crème fraîche. Je sors la tarte du four. Je retire les haricots. J'y ajoute mes légumes ainsi que mes lardons que je répartis. Je verse ensuite mon appareil. Et puis, j'ajoute des cubes de fromage, des restes de fromage que j'ai dans mon réfrigérateur, du bleu, du fromage de chèvre, et ainsi. Je n'ai pas besoin de saler mon appareil œuf crème fraîche. Puis j'enfourne de nouveau jusqu'à ce que le tout soit doré, bien cuit